La propreté, on en a parlé en termes d'économie. Oui, on a réalisé une économie conséquente. Et elle s'est renouvelée annuellement, cette économie, ce qui du coup permet d'alimenter les investissements. Quand nous sommes arrivés, il y avait des conteneurs qui vomissaient les ordures partout. Nous avons une équipe que nous payons à prix fort, 475 000 euros, c'est ça? Et cette équipe, elle était très peu sur le terrain, le travail n'était pas fait, le cahier des doléances tous les jours à la mairie était plein. Aujourd'hui, l'équipe qui est là, qui est recrutée par la ville, elle est présente. Vous les voyez tous les jours de la semaine, y compris le samedi, y compris le dimanche. La ville est devenue beaucoup plus propre. Les enjeux sont complètement différents, parce qu'avec 1100 élèves dans la ville, il faut être beaucoup plus vigilant sur l'entretien de tous les espaces, et notamment aux abords du lycée, c'est extrêmement important. Je sais qu'on a encore des progrès d'ailleurs à faire en termes de propreté tout le long des berges de la Soulonde.